partir de 22h et encore pire à 23h, il n'y a plus trop de bus, il y en a un par heure. Et dans ce genre de cas, je dois marcher une demi-heure pour rentrer chez moi. Sur les routes principales, c'est éclairé, mais après, moi, quand je vais en direction de mon laboratoire, là, c'est plus très éclairé. Justement, sur la route, mais vers les villages étudiants, village 6, village 5, c'est vraiment pas éclairé suffisamment. En fait, souvent, on aimerait bien pouvoir couper pour faire un trajet un peu plus court, et on le fait pas, parce que c'est trop dangereux. Partie qui est très... c'est lugubre, en fait. Pas en sécurité, donc je fais vite. Bah, justement, pour aller au tram, je prends, ça m'arrive de le prendre le soir, etc., donc c'est pas très rassurant, en effet. Un mec sur le campus qui filmait des filles. Ouais. Hein, et du coup, on a su ça et du coup, on était un peu inquiétés. J'attendais avec une copine à l'arrêt de bus là-bas. Et en fait, il y a un type qui est descendu de sa voiture et qui s'est masturbé devant nous. En fait, ça m'est arrivé une fois et après, il est arrivé la même chose à une de mes amies sur le campus aussi. On se rajoute du trajet pour longer les routes qui sont éclairées. D'accord. Et ça nous pousse à modifier notre trajet. C'est parti. Cette lumière dans le sein de notre laboratoire, justement, que ce soit plus rassurant, que ce soit éclairé, quoi.